rose. Qui peut-il bien être accoudé sur le cours des choses, un peu songeur à la fenêtre de sa jolie villa morose? On dirait qu'il attend peut-être quelqu'un, quelqu'une ou autre chose. Cherche-t-il à apercevoir ce qui lui manque pour avancer, un semblant d'accord de guitare? La routine, faut la faire valser. Cherche-t-il à apercevoir le début d'une nouvelle histoire? Pas être à sa fenêtre et puis se regarder passer, mais on peut voir par la fenêtre sa vie toujours prête à recommencer. Mais on peut voir par la fenêtre ta vie toujours prête à recommencer. Monsieur Monde est à la fenêtre de sa jolie villa aux roses. Sa raison d'être est une lettre, sa boîte aux lettres n'est pas close. Un peu moins seul à la fenêtre, la bonne nouvelle, l'apothéose. Peut-être d'elle à quelques mètres, comme un juste retour des choses. Cherche-t-il à compter les pas dans sa mémoire d'éléphant, de son passé qui ne passe pas, comme un petit chant d'olifant? Cherche-t-il à compter les pas? Il le rapproche d'un enfant. On ne peut pas être à sa fenêtre et puis se regarder passer, mais on peut voir par la fenêtre sa vie toujours prête à recommencer. Mais on peut voir par la fenêtre sa vie toujours prête à recommencer. Monsieur Monde, de la fenêtre de sa jolie villa aux roses. Y croire encore, aimer peut-être, puis remonter du fond des choses, un peu plus libre à la fenêtre. Il vient de se remettre en pause. Son cœur a fait des kilomètres. Sans état d'âme, il se repose. A-t-il une fois imaginé la femme qu'il a toujours voulu? A-t-il à l'instant deviné qu'elle tourne au coin de sa rue? Est-il en train d'imaginer
celle qu'il n'a pas encore vue. On ne peut pas être à sa fenêtre et puis ce regard est passé, mais on peut voir par la fenêtre sa vie toujours prête à recommencer. Mais on peut voir par la fenêtre sa vie toujours prête à recommencer.